Vas-y. Oh, c'est sympa. Bonjour, maman. Papa, ça y est. Parce qu'elle est malade. D'accord, maman. Tiens, tu promènes, je suis de te respecter. Et le grand-père, tu en te caresses. Pour la grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Lolo? Bonjour, petit chaperon rouge. Bonjour. Où tu vas? Je vais chez ma grand-mère. Où t'habites, ton grand-mère? Là-bas. À côté, c'est le village, dans la forêt. À côté du village, dans la forêt. Et Lolo, il lui dit quoi alors? Au revoir, petit chaperon rouge. Attends, avant de lui dire au revoir, qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde. Toi, tu vas là, et moi, je vais là. D'accord? D'accord. Au revoir, petit chaperon rouge. Au revoir. Toc, toc, toc. Il est là. C'est moi, le petit chaperon rouge. Ça va combiner tes chèvres. Ah, 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 ah. Et le loup dévore la grand-mère. Qui est là? C'est le petit chaperon rouge. Entre, petit chaperon rouge, je suis dans mon lit. Et alors, qu'est-ce qu'elle lui dit? Oh, grand-mère, qu'est-ce que tu as si gros yeux? C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, grand-mère, grand-mère, qu'est-ce qu'on serait là? C'est pas mieux d'entendre, mon enfant. Oh, grand-mère, grand-mère, qu'est-ce qu'on est là? C'est pas mieux de sentir, mon enfant. Oh, grand-mère, grand-mère, qu'est-ce qu'on sent là? C'est pour mieux de manger, mon enfant. Ah! Et le loup mange le petit chaperon rouge. Mais le chasseur qui était par là se promène dans la forêt. Il se promène dans la forêt et il entend la grand-mère ronfler. Il n'y a personne qui répond. Alors, qu'est-ce que fait le chasseur? Il voit le loup, alors il coupe. Oh, il voit le loup, alors il coupe le loup. Et qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui sort du loup? Viens là, viens là. Qui est-ce qui sort? Oh, le petit chaperon rouge. Et qui est-ce qui sort encore? La grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, le petit chaperon rouge et la grand-mère? Qu'est-ce qu'elle dit au chasseur? Merci, chasseur. Et le chasseur, il dit, maintenant, le petit chaperon rouge, tu vas faire attention au méchant loup, parce que c'est dangereux. Parce que c'est dangereux. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans le ventre du loup? Des pierres. Allez, allez chercher des pierres. Voilà. With a wagon hook. What, Mama? Go to Grandma, because she's sick. Okay. If I had to put tea or book, and shut this, you can give me some honey. You want some honey. Goodbye. Goodbye. Hello. Hello. Is that cool? Where are you going? To my grandma's house. Where does it
bleu. Over there. On the other side of the forest in the lake in that sun. That is over there. This is my rug and that's yours. Okay. Tap, tap, tap. Then there's a red writing for it. Come in, my dear. Come in. So what happened? The wolf ate and the wolf is sleeping in bed because he's so full. Who's that? That's the who? It's the hunter. And what is the hunter doing? What are you doing, cutting. Hunter? What are you cutting? What are you cutting? His tummy. Whose tummy? The wolf. Why are you cutting the wolf's tummy? For the grandma and the little Riding Hood. You're gonna save Little Red Riding Hood and Grandma? Okay, Hunter. Do your thing. Snip, 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 snip. Okay. The grandma. Not the little red one. Grandma! Little Red Riding Hood. What do you say to the hunter? Thank you. Thank you, color. Okay. Pila? Thank you, who? Kyle. Oh, in English? Kyle. The cutter or the hunter? The hunter. Very good.